ma façon de peindre et de tirer la peinture, la texture même de la toile et le support est très important pour moi. Mes premières expositions, c'était avec des, à l'âge de 15 ans, avec des encres de Chine. Et puis par la suite, j'ai découvert la peinture à l'huile, parce que j'ai eu un petit peu plus d'argent pour m'acheter mes premiers tubes. Et depuis, je ne quitte pas l'huile. Pour moi, l'huile est quelque chose de vivant et qui évolue dans le temps. Donc j'essaie d'imaginer l'évolution de mes toiles et de la couleur que j'utilise dans le temps. C'est un petit peu le travail que j'ai fait lorsque j'ai travaillé avec des céramistes justement dans mes jeunes années, et où la couleur était représentée uniquement par de la boue, puisque la boue, la couleur ne ressort qu'à la cuisson. Ça m'a permis de travailler sur l'évolution des couleurs et l'évolution de la matière.